plus de 1400 fast-foods dans le département. Un chiffre largement au-dessus de la moyenne nationale, à tel point que Perpignan se classe 12e des villes les plus envahies par ces chaînes de restauration rapide. Alors qu'est-ce qui explique cette tendance ? Réponse avec ce reportage de la rédaction. Ils ne veulent pas d'un nouveau McDonald's. À Toulouse, la mairie a posé son veto. Elle s'oppose à l'implantation d'un nouveau restaurant du géant américain. Pourtant, les fast-foods sont rois dans les environs. Perpignan se classe dans le top 5 national des restaurants kebab. Le collectif Agisson 66 souhaite mettre un terme à ce phénomène. En termes d'obésité, on est 5% au-dessus de la moyenne nationale. 1% de plus que la moyenne nationale en tout ce qui est dans le diabète. On a le même nombre de McDo à Perpignan qu'à Bordeaux. Il faut savoir, Bordeaux, c'est le double en population. Ces dernières années, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de fast-food a bondi, avec 1400 enseignes recensées en 2022 pour un peu plus de 1000 restaurants de cuisine traditionnelle. Une situation que Jean L'Héritier, fondateur de Slow Food, explique par un taux de pauvreté très présent dans le département. D'abord, il faut savoir quelle part de son revenu on consacre à l'alimentation. On ne va pas dire aux gens comment il faut qu'ils mangent. On va aider à une prise de conscience. Je pense que quelque chose de très important, je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais ce serait de faire de la culture alimentaire à l'école. C'est de la culture, c'est-à-dire pas expliquer aux enfants comment poussent les plantes ou comment on fait une confiture, mais de leur faire toucher du doigt. La restauration rapide, véritable enjeu de santé publique, est de plus en plus dénoncée par les professionnels du milieu. Pour l'avenir, on peut vraiment avoir des problèmes de santé puisqu'on se retrouve sur des produits très riches en acides gras saturés qui du coup peuvent amener à des problèmes de cholestérol, de triglycérides, mais aussi des produits très sucrés qui du coup au final peuvent amener vers du diabète. Dans les Pyrénées-Orientales, 20% de la population souffre d'obésité, c'est 5 points de plus que dans la moyenne nationale.